Dans le chapitre santé de cette édition, nous allons parler des prix des médicaments qui ont connu une hausse de plus de 30%. Et c'est le constat établi par nos équipes à la suite d'une tournée des différentes pharmacies de la capitale. Les détails avec Sarah Betiouta et Asma Laïd. Les prix des médicaments ont augmenté de plus de 30%, c'est ce que nous a confié ce matin l'une des pharmaciennes. Il y avait des articles, les canaux, soi-disant, par exemple, à 1900 ou là, ou à 2500, à 2400. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Depuis, donc, à peu près deux mois ou trois mois, et les prix ont enflammé, flambé, ils ont augmenté. Que ce soit, ils ont touché les médicaments ou l'appareil. Même le FLACNAS, ils ont tarifié pas mal de médicaments. Mm-hmm. Donc, le pourcentage, l'augmentation est jusqu'à 25%, ça arrive jusqu'à 30%. Toujours selon notre interlocuteur, cette augmentation est due à la chute du dinar. L'euro, là, ou le dinar, là, donc l'importation est limitée, internet. Donc les prix, ils ont enflammé. Oui, pendant à des minimum fin d'année, minimum. Ou la mazadetch après le 2019, la prochaine année, inchallah. Rappelons que la facture d'importation des médicaments a nettement augmenté sur les 5 premiers mois de 2018, en se chiffrant à 922 millions de dollars contre 671 millions de dollars à la même période de 2017, en hausse de plus de 251 millions de dollars, soit 37%.